bon, eh bien au moins c'est une cinématique qui donne envie, n'est-ce pas? Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouveau let's play que nous allons débuter sur ce superbe jeu, comme vous pouvez le voir, Castlevania Order of Ecclesia, il s'appelle, sorti en 2008 sur la Nintendo DS. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui sur Nintendo DS. Vous savez à quel point ça va être pratique pour moi de vous faire un let's play sur Nintendo DS grâce aux deux écrans, mais je vais certainement me débrouiller. Alors vous avez été nombreux à me proposer ce jeu, vu que vous savez que j'adore la série Castlevania, et pourtant que j'ai jamais joué à cet épisode en l'occurrence, ou aux épisodes plus RPG, n'est-ce pas? Du coup, ce que je vous propose, et j'ai appuyé sur B bêtement, et du coup, je veux pas lancer la cinématique, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence ce jeu tout simplement ensemble, et qu'on le découvre ensemble. Je n'ai jamais joué, donc, c'est le but de mes let's play, si jamais vous me découvrez avec celui-ci, c'est de découvrir totalement un jeu à 100% avec vous. Alors, on me demande mon nom. Ça, c'est un truc dans les Castlevania. Dans tous les Castlevania, en général, on vous demande d'entrer votre nom, même s'il ne servira jamais à rien, vu que les personnages dans le jeu gardent leur nom à eux, mais bon, c'est un détail. Du coup, j'entre mon nom, en plus, il fait pile poil le bon nombre de lettres, et je vous propose qu'on commence immédiatement par le scénario, visiblement. Alors, est-ce que ça va être doublé? Returning to life, time and again, since the ancient Middle Ages, the evil Lord Dracula has driven people to terror. Each time Dracula returned from the dead, the Belmont clan fought him in the shadows, wielding the Holy Whip. Through their efforts, humanity avoided the darkness, securing prosperity. But early in the 19th century, having lost their ability to resist the darkness, those in positions of power at the time began to search for new ways to counter Dracula. Our organization, Ecclesia, was born then as one of those countermeasures. Many organizations were established with the same goal, and day after day, they conducted their studies diligently. But each was dissolved when they failed to produce satisfactory results. But that was when Barlow, the leader of Ecclesia, finally made a surprising breakthrough that could stand up against Dracula. Oui, sont les Belmont, ils sont un peu emmerdés, hein. Alors, là c'est pas doublé par contre. Bon, alors je vais avoir du mal à vous faire des voix de filles, hein, donc vous m'excuserez par avance. Alors, qui est là? Alors, visiblement, ça c'est notre héroïne, voilà, Shanoa qu'elle s'appelle. Visiblement, c'est notre héroïne, si j'ai bien compris. Alors, devine, ça m'apprendra à essayer de te faire peur. Albus, je vois que tu as senti ma présence assez facilement. Content de te voir, Shanoa. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est là qu'on vit, non? Alors où veux-tu que je sois? Oui, ça serait que comme question, bravo. Non, ce n'est pas ça. Mais je te croyais en mission. Oui, mais je voulais juste voir si tout allait bien. Oh, c'est mignon. Non, ici, pardon. Alors, quoi de neuf? Ok, donc il ne s'intéresse pas du tout pour elle. Alors, quoi de neuf? Vas-y. Eh bien, Barlow m'a choisi pour être l'élu. Waouh. On va bientôt commencer le rituel pour préparer mon corps à recevoir Dominus. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, Dominus? Tout à fait. C'est une honte, Barlow m'a menti. Ouh, il a l'air fâché. Comment ça, menti? C'est moi qui devais être l'élu. Il me l'avait promis et juré. Oh, misère, ça commence bien. Mais le maître a dit que... Il t'a dit quoi? Que tu n'es pas digne de porter Dominus. Oui. Mensonge. Jamais il n'aurait pu dire ça. Mais Albus... Pardon, mais le rituel va commencer. Je dois y aller. Attends, Shanoa, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. J'appartiens à Ecclesia autant que toi. Notre seul objectif, c'est éliminer Dracula pour que le monde connaisse l'aube sans craindre les ténèbres. Je me trompe, Albus? Ce n'est pas... Voilà pourquoi je vais devenir Dominus, l'épée qui vaincra le mal. Ah, puis là c'est à moi de jouer, c'est ça? Oui, parfait. Ok, donc les amis, nous voici. Alors, je vais enfin pouvoir jouer et voir un peu. Alors, viens voir. Ah, bah ok, alors j'ai aucun bouton. Ah, si, j'ai ce bouton là. Ok, donc la gâchette gauche, visiblement, me permet de faire des. Ah, des super roulades très. Ah, elle fait... ouais, il me semble qu'elle fait des roulades arrière. Parfait. Donc, je peux sauter. Pas de double saut, pas d'attaque pour l'instant. Bon, bah, on va monter un peu, voilà. Je sais pas où je dois aller. Alors visiblement, alors vous le voyez, je pense que je vais surtout vous montrer l'écran principal. Mais au cas où, sur l'écran tactile, j'ai une carte qui s'affiche pour l'instant. Je pense pas que je vais vous la montrer très souvent parce qu'elle ne va pas vous servir à grand chose. Je vais surtout vous montrer ce qui se passe sur l'écran principal. Mais sur l'écran tactile, j'ai une carte qui me montre où je dois aller.
Alors bon, là, bien sûr, c'est que l'introduction. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous aurez le droit à beaucoup de cinématiques et de dialogues. Hein. Alors, oula, il a pas l'air fâché, lui. Pas l'air content, lui. Alors comment a-t-il pu ? Les ordres sont les ordres, Barlow. Mais je vous ferai respecter votre promesse. Oh, misère. Ok, ça commence très très bien, donc. Shanoa, comme tu le sais, tu es l'élu, la seule digne de porter Dominus. Oui, maître. Pourtant, il te sera très difficile de maîtriser sa puissance. Le but de ce rituel est de préparer ton corps à supporter le pouvoir de Dominus. Oui, maître. Mais après ce rituel, je... Oui, Shanoa, tu pourras manier notre plus puissant glyphe. Dominus, l'arme ultime qu'Ecclesia a créée pour combattre Dracula. Je suis fier de toi, Shanoa. Tu vas pouvoir sauver le monde. Grâce à la puissance des livres. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qui es-tu ? Quoi ? Albus, qu'est-ce qui te prend ? Tu connais l'importance de ce rituel ? Vous m'avez menti. Albus, je devais être l'élu, vous me l'aviez promis. Chacun de nous a un rôle. Tu aurais pu comprendre ça si tu avais suivi les ordres. Shanoa est, de toute évidence, la seule digne de porter Dominus. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai essayé de dépasser mes faiblesses. Pourquoi ne plus me faire confiance ? Mais rien n'est perdu. Ensemble, nous arriverons à surmonter ces difficultés. Non, c'est trop tard. Dis-moi, Albus, qu'est-ce que tu comptes faire avec Dominus ? Vous l'avez dit vous-même, chacun de nous a un rôle. Et, en bon maître que vous êtes, vous m'avez montré quel doit être le mien. Ne sois pas stupide, Albus. Tu comptes faire quoi ? Je vais prendre Dominus. Réfléchis, sans ce glyphe, notre mission est un échec. Le réceptacle de Dracula... J'ai ma propre mission. Wow, attendez, il a un flingue, carrément ? Vous n'êtes plus mon maître à partir de maintenant. Adieu, Barlow. Wow, bah ça commence bien. Des semaines plus tard. Ça, c'est de l'ellipse. Ta période de formation va bientôt se terminer. Bien, maître. L'art secret d'Ecclesia consiste à puiser dans chaque élément de l'univers pour former les glyphes. C'est là que repose notre force, celle qui sauvera le monde. Maintenant, absorbe le glyphe devant toi. Alors tu peux absorber le glyphe à l'écran en appuyant sur O. Tu obtiens ainsi le glyphe et 10 cœurs. Bon, bah obtenons ce glyphe alors. Ah, je dois laisser... Ok, donc je dois laisser appuyer O pour absorber ce truc. J'ai obtenu le glyphe rapière. Un glyphe rapière ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Exact. Et regarde, il te suffit d'absorber un glyphe pour découvrir sa nature. Ce don t'appartient, à toi et à toi seul. Oui, maître. Je dois malheureusement tout expliquer depuis le début. Ça tombe... plutôt mal, mais notre temps est compté. Alors n'attendons plus et commençons. Misère, c'est mal coupé leur dialogue, c'est pas facile à lire. Bien, maître. Ce glyphe dirige sa puissance vers tes bras. Ouvre le menu avec Start et sélectionne Glyph pour les affecter aux touches X et Y. Ok, donc c'est là. Alors Glyph, X et Y. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le glyphe rapière. Visiblement, on peut s'équiper de ces trucs. Alors voyons voir. Tu peux utiliser ces glyphes contre tes ennemis. Bon, imagine que je suis l'un d'eux et attaque-moi. Alors appuie sur X ou Y, enfin sur Y ou X, pour attaquer avec tes glyphes. Cela consomme des points de magie, mais ils se rechargent au fil du temps. Alors voyons voir ça. Ok, d'accord. Donc là, j'appuie sur X ou Y, et du coup, ça me fait attaquer. Ça donne des coups d'épée. Donc alterne X et Y pour faire des combos. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est pas grave. Ta mémoire a peut-être disparu, mais ton instinct de guerrière est là. Laisse-le te guider maintenant. Fusionne les glyphes dans tes deux bras. Les unions de glyphes peuvent surprendre tes ennemis. Alors appuie sur O plus Y ou X pour faire une union. Tu es doué. Maintenant voici l'épreuve finale, le danger d'un vrai combat. Prépare-toi mentalement. Quand tu te sentiras prête, va dans la pièce suivante. Bah oui, bah je me sens prêt. Enfin prête en l'occurrence.
vu qu'on joue avec une héroïne, donc oui, comme ils nous l'ont dit, il n'y a pas de Belmont. En tout cas, il me semble qu'il n'y aura pas de Belmont dans cet épisode de Castlevania. Aussi étrange que cela puisse paraître. C'est quoi ce truc? Oh, c'est pour gagner des cœurs. Oh, c'est pratique ça. Aussi étrange que cela puisse paraître, oui, ça va être un Castlevania sans Belmont, d'après ce que j'ai compris. On va jouer avec cette demoiselle, n'est-ce pas, Shanoa? Je sais plus dans quel... Alors, j'invoque ton ennemi des enfers. Oh, carrément. Utilise tout ce que je t'ai appris pour combattre et prouve-nous une fois de plus que tu es notre meilleure guerrière. C'est quoi ça? C'est quoi ce petit... Attendez, c'est ce petit squelette pourri, l'ennemi des enfers, là? Voilà. Ah non, il y en a plusieurs. Ok, je me disais bien aussi. Alors, visiblement... Alors, vous le voyez, quand j'attaque, en haut, il y a deux barres. Donc, une barre de vie, je pense, en rouge. Et la barre verte, ça doit être mes points de magie, là, que j'utilise pour attaquer. Et qui se vide à chaque attaque. Donc ta formation de base est finie. Passons à la suite. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que toutes mes attaques vont se baser là-dessus, sur ces attaques, sur ces glyphes là, qui sont des attaques magiques. En fait, j'ai pas d'attaque de fouet comme dans un Castlevania normal ou une attaque standard. Là, j'ai juste des attaques par glyphe comme ça. Ok, pourquoi pas. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Alors, Shanoa, je n'en attendais pas moins de toi. Merci, maître. Un peu soumise, la pauvre. Bien, tu dois maintenant commencer ta mission. Récupère Dominus, le glyphe suprême. C'est mon disciple qui l'a. Son nom est Albus. Est-ce que ce nom réveille ta mémoire, par hasard? Bah non, apparemment. Ou alors tes sentiments? Tu le connaissais avant. Désolé, mais ce nom ne me dit vraiment rien, maître. C'est lui qui a volé et effacé tes souvenirs. Il a trompé ta confiance et celle de l'humanité. Tu dois absolument récupérer notre seul espoir de paix. Le rituel. Cet homme que j'ai vu... Cet homme, c'était Albus. C'était donc lui. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il était jaloux de ton destin. Mais toi seul es digne de porter Dominus. Si je lui avais expliqué, tu aurais échappé à tout ça. Mais ne perdons pas de temps à nous apitoyer. Grâce à Dominus, nous allons pouvoir sauver le monde tous les deux, en renvoyant Dracula en enfer. Mais pour cela, il faut que tu récupères le glyphe. Il n'y a que ça qui compte. Comptez sur moi, maître. Tu es une bénédiction pour nous tous. Nous avons un avantage. Dominus ne peut pas être utilisé par le commun des mortels, y compris par Albus. Toi seul es capable de porter un glyphe dans ta chair. Tu vois maintenant pourquoi je te confie cette mission. Mais Albus est malin. Avec le temps, il comprendra peut-être qu'il fait fausse route. Pour l'instant, il faut le retrouver avant qu'on ne perde sa trace. Shanoa, ramène-le, mais ne lui fais aucun mal. Sauf s'il est trop entêté. Compris ? Tu es notre seul espoir, celui du monde et le mien. Oui, enfin ça c'est habituel, on est toujours le seul espoir des gens en général. Et donc, je suppose que c'est là que notre aventure va commencer réellement. Ah, bah il y a la musique qui s'est lancée. Ah, ça doit être un point de sauvegarde. Alors celui-là, ça je connais déjà les points de sauvegarde, parce que j'ai joué à un autre jeu de type... Castlevania récent RPG, disons, c'était celui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était le tout premier qui était sorti sur DS, j'y ai un petit peu joué. Je sais plus comment il s'appelait ce jeu, mais j'y avais joué un peu, et puis du coup, il y avait déjà des points de sauvegarde comme ça, la carte ressemblait à ça aussi. Du coup, la base du jeu a l'air de beaucoup ressembler à cette autre Castlevania que j'avais déjà vite fait vu. Et vous avez été nombreux à me proposer ce jeu, justement, parce que j'ai très peu joué au Castlevania récent, je vous l'avais déjà dit. Je suis un grand fan des Castlevania, j'ai joué à pas mal de jeux Castlevania, soit très récents, soit très vieux, mais pas trop entre deux. Et en l'occurrence, ceux qui allient RPG, comme celui-ci, j'y ai... Oh, la musique! Je pense que ce que je vais faire, c'est que au fur et à mesure qu'on va redécouvrir des niveaux, je pense qu'on va écouter ensemble la musique. C'est ce que je faisais quand on jouait à Castlevania 3, ou à tous les Castlevania, en fait, j'ai l'impression. Ce que je faisais, c'est que je vous laissais profiter de la musique. Et j'ai regardé un peu les tests sur ces jeux, ce que les gens en pensaient en général, et visiblement la musique, c'est... En gros, ce Castlevania, il a toujours été défini comme étant, dans les tests en général des gens, comme étant un Castlevania très typé rétro, malgré le fait qu'il y ait tout ce côté RPG, nouveau du jeu et de la série. Il conserve apparemment un gros style rétro, c'est-à-dire que les musiques sont toujours aussi épiques, que le gameplay... C'est quoi ce machin? Ok, je sais pas du tout, ça doit être un point de téléportation, je pense. Ça m'ouvre la carte, je pense que c'est un point de téléportation. Du coup, voilà, en général, il parlait beaucoup de ça, le fait que ce jeu était très typé rétro,
et aussi que ce jeu était vachement dur. J'ai souvent lu que le jeu était vachement dur. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste parce qu'aujourd'hui on est plus habitué au Castlevania plus compliqué. Mais si c'est vrai, ça peut être vraiment pas mal, vu que vous savez que si j'aime bien Castlevania, c'est... Oh merde, oh je l'avais pas vu celle-là, bien joué. Voilà, première souris, chauve-souris du jeu, je me la suis déjà pris dans la tronche. Non, j'aime beaucoup les Castlevania, mais c'est impossible à éviter ces machins. J'aime beaucoup les Castlevania justement parce que c'est pas des jeux qui sont très faciles, il faut les apprendre. Et si effectivement ce jeu reprend ça, c'est ce que j'avais pas trop aimé dans ce genre de Castlevania RPG jusqu'à présent, c'est que, bah en gros le principe c'était vraiment, c'est pour ça que j'aimais pas le fait que ce soit RPG, c'est que, bah vous tuez des monstres, vous avez beaucoup d'XP, du coup bah vous battez les boss en 3 coups, puis voilà c'est gagné. Alors que pour moi c'est pas ça Castlevania, pour moi c'est vraiment, bah à l'ancienne, vous parcourez les donjons et puis... Le principe d'expérience dans un Castlevania, ça m'a toujours paru un peu bizarre. Mais bon, je vous propose justement bah, qu'on découvre ça ensemble. Ah bah voilà, bah, parlant d'expérience, j'ai gagné un niveau. Alors il n'y a pas eu d'écran de stats qui s'est ouvert, alors je vais vite faire regarder si ça... Non, je pense que j'ai dû augmenter mes stats, mais on n'a rien à faire en fait. Je pense que les stats, ils augmentent tout seuls. Je suppose en tout cas. Ah, attendez, on a les voix. Ah, on a le choix entre les voix en anglais ou en japonais, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, comme le jeu, comme les personnages sont pas doublés dans les dialogues, bah du coup je vois pas trop l'intérêt. Ah, tiens, un glyphe, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Créer un champ magnétique attirant. Appuyez sur R pour vous coller aux aimants proches avec le glyphe Magnès. Ok, d'accord. Tirez votre personnage avec la manette croix, n'est-ce pas? J'appelle ça une croix, mais bon, pourquoi pas. Avec la manette croix, donc, et visiblement, on peut se propulser, c'est ça? Pour faire sauter Shanoa dans la direction opposée, relâchez R. Ah, ok, d'accord. Ce glyphe permet d'aller à des endroits normalement inaccessibles. Il sert aussi à esquiver les attaques lors des combats. D'accord. Donc ça a l'air plutôt pas mal en fait, le jeu il a l'air... J'ai vu justement que le jeu ne se basait pas sur les armes, en général dans les Castlevania c'est ça, vous avez un Belmont, Simon Belmont, Trevor Belmont, enfin un membre du clan Belmont qui se bat avec son fouet, très souvent en général, mais là c'est pas le cas, là on n'a pas de fouet, on n'a pas de Belmont, là c'est juste ce personnage qui peut justement utiliser ses pouvoirs magiques, là ses glyphes. Comment... Ah bah oui, ok, on ouvre comme ça les coffres. Ah j'ai obtenu... Ah bah attendez, je peux peut-être m'en équiper, non? Voilà, j'ai obtenu un chapeau de coton qui va m'augmenter un point de défense. Pourquoi pas. Ah, les têtes de cheval, de chevaux plutôt, qu'il y avait dans Castlevania 4. Je les aimais pas ces machins dans Castlevania 4. Comment est-ce que je suis censé monter là-haut? Je pense qu'il doit y avoir un moyen, mais... Parce que oui, justement, tout le gameplay va se baser sur ce système de glyphes, à ce que j'ai compris. Donc les attaques, les pouvoirs, tout va se baser là-dessus. Et du coup, ça permet vraiment de faire des trucs assez... Mais c'est quoi qui miaule comme ça? J'ai l'impression qu'il y a un chat dans la pièce. Oh misère, c'était flippant ça. J'ai pas trop compris ce qu'il lui a appris à ce perso. Enfin, à ce monstre. Mais je suis pas fou, j'entends un chat qui... Ah mais oui, là en bas, il y a un chat. Ah oui, miaou, miaou, qu'est-ce que tu veux le chat? Je comprends pas comment on peut utiliser ce glyphe pour échapper aux attaques par contre, mais... Ah, est-ce que je peux me baisser? Non, je peux pas me baisser. Ah si, ah j'ai pas... Ah ok, d'accord, je pense qu'on peut faire des glissades alors. Ouais, ok, d'accord, c'est ça. Ouais, sauf que je suis coincé là. Donc visible, ouais voilà c'est ça, on peut faire des glissades en fait. Sauf que la glissade ne me permet pas d'atteindre le corps si voilà. Ah j'ai augmenté mon nombre de points de points de vie maximum je crois. Ok donc on peut faire des glissades en appuyant sur bas et le bouton de saut, on peut faire une glissade comme ça. Je pense pas que ça inflige des dégâts aux ennemis par contre, donc je vais éviter de leur foncer dedans. Alors pour l'instant ça ressemble beaucoup à Symphony of the Night ou alors au... C'est un glyphe ça? Non. Je sais pas ce que c'était. Soit... Oula. Ok, alors là je pense pas que je puisse passer comme ça, à moins que mon pouvoir puisse... De toute façon je peux pas passer, il y a un mur là, donc... Ok, donc cette pièce là ne sert à rien pour l'instant. Je pense que ça va beaucoup se jouer avec ça, c'est-à-dire avec des énigmes où il faudra justement jouer avec ces glyphes. Ah tiens, le retour de l'autre là. Voilà, je crois que je l'ai eu. Oui, il va falloir jouer avec ces glyphes pour résoudre des énigmes ou des trucs comme ça, et ça c'est vrai que sur le papier ça peut être plutôt pas mal si c'est bien fait. J'attends de voir encore évidemment avant de me prononcer, on vient seulement de commencer, donc... Par contre ce chat commence à me gonfler là en bas. Alors, attendez, normalement les cœurs c'est pour... Ah mais attendez, je vois que j'ai pas mes 50 cœurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai même pas vu comme... Il me semblait que je commençais avec 50 cœurs et j'ai même pas vu pourquoi je les ai plus, mais c'est un détail. Je pense que j'ai dû utiliser un pouvoir... Ah d'accord, ok, oui. C'est quand on utilise un pouvoir et je l'ai utilisé sans faire exprès. Du coup c'est pour ça que...
que j'ai plus de cœur, ok. Donc en gros, quand on appuie sur O et X ou Y, on utilise justement ce qu'ils nous ont expliqué là, notre union avec notre arme. Et ça utilise des cœurs visiblement. Donc ça c'est l'équivalent des haches ou des armes de base, de secondaire qu'on avait dans les anciens Castlevania. Donc genre la hache, le crucifix, l'eau bénite, ces trucs là. Bon alors visiblement ces monstres là ont l'air de respawn à l'infini, je vous propose qu'on se contente de se grouiller. Je sais pas où on est en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de... C'est quoi ce truc? Ok, ça se casse. Oh, un glyphe. Ça me fait un peu penser au laboratoire du Dr Frankenstein qui est assez courant dans ce genre de... dans les Castlevania. J'ai reçu un glyphe couteau qui s'appelle Cutter. Bah ça c'est... Par contre il est très mauvais Cutter. Par contre je pense que... Ouais ok, donc voilà, vous voyez typiquement ça je pense que c'est pour avoir une attaque à distance. Bah écoutez, je pense que je vais m'en équiper vu que j'ai pas besoin de... Allez, je vais m'équiper de... Voilà. Voilà, c'est donc bien ça. Regardez, maintenant si j'appuie sur X, je lance un poignard en fait. Donc c'est bien ça, ça va bien être les glyphes qui vont nous permettre de changer d'arme en quelque sorte, de type d'attaque. C'est pas mal. Non! Mais non, mais quelle andouille. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai lancé une espèce d'attaque bizarre. Je pense que j'ai une fois de plus utilisé un pouvoir sans faire exprès. Alors au cas où, je joue pas sur la DS, je joue sur un émulateur, c'est-à-dire que je joue avec une manette. Et donc là, je joue avec un joystick en l'occurrence, c'est pour ça que j'appuie souvent sur O sans faire exprès. Voyons voir. Ah, non, j'allais dire c'est fermé ici, mais non, il y avait bel et bien un trou. Voilà, vous voyez ce pouvoir-là, c'est ce que je lance quand j'appuie sur O avec le pouvoir du couteau là. Non, pas du couteau, du rapier. Le pouvoir du couteau, attendez, on va l'essayer. Ah non, c'est là. Ah non, ok, d'accord. En fait, c'est pour ça que ça a changé. Je commence à comprendre. Alors, j'ai obtenu le livre esprit. Affiche le nom des ennemis que vous attaquez. Ah, c'est chouette, ça, on peut savoir qui on attaque. Alors, comment s'appelle ce truc? C'est un fantôme. Très original, bravo. Ouais, en fait, quand on appuie sur X, enfin sur O et X ou Y, ce qu'on attaque, ce qu'on lance, c'est pas le pouvoir de l'arme, c'est le pouvoir du... C'est vraiment une union, en gros. C'est l'attaque quand on mixe les deux armes qu'on a actuellement. Et du coup, cette espèce d'attaque d'énergie bizarre là que je lance. Oh, j'ai chopé un poulet. C'est le mix de l'attaque au couteau et l'attaque avec le rapier. D'après ce que j'ai compris, je pense en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, le gameplay a l'air sympa. C'est vrai que ça fait très Castlevania rétro. Avec en plus cette espèce de roule. Mais la ferme. Ah, je suis en train de me faire pourrir dans le coin là. Tiens, bouffe-toi ça. Tu veux pas? Bah tiens, prends-toi ça. Voilà. Je l'ai eu. Bon, j'ai plus de points de magie, mais c'est pas grave. Ah, zut, encore une. Ok, ça c'est une banshee donc. Non, c'est vrai qu'en plus il y a cette espèce de roulade arrière pour esquiver les attaques. Et ça, c'est vrai que ça peut être plutôt pratique. En gros, c'est une des premières fois où je joue un Castlevania où le personnage est très leste en fait. C'est vraiment un perso qui est très leste. Et c'est plutôt pas mal parce que ça change bah, évidemment des Castlevania habituels où le héros est un espèce de camion ben qui est très très lourd à diriger. C'est ce que j'aime bien dans les Castlevania en général, mais c'est vrai que ça peut pas faire de mal d'avoir un héros un peu plus leste pour une fois. En l'occurrence, une héroïne. Alors, viens voir. Oui, on peut choper ce truc. Par contre, j'ai récupéré de la viande, mais j'ai pas récupéré de points de vie. Donc, je me demande si je dois pas l'utiliser, peut-être, en fait. Attendez, je vais regarder. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut utiliser les... Ça, c'est... Je m'en doutais un peu quand j'ai... Je m'étais rendu compte quand j'avais chopé le poulet que j'avais pas reçu de points de vie, mais j'étais pas sûr. Mais là, j'en suis sûr. Donc, oui, les objets, il faut les utiliser. C'est plus comme dans les Castlevania habituels où vous bouffez le poulet dès que vous marchez dessus. Là, il faut l'utiliser. Donc, c'est plutôt pas mal dans un sens vu que ça vous permet de conserver. Pour un usage ultérieur. Ça oblige après de passer par un menu, mais bon, ça, c'est un détail. La musique est sympa, en tout cas. La musique est sympa. Saleté, je me fais rire. Par contre, il y a des zombies partout, c'est génial comme ça respawn. Merde, à l'infini. Ils sont chiants ceux-là, parce que ça arrive à vous attaquer jamais au bon moment. Allez, 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 oui. Est-ce que je peux avancer? Non, je peux pas. Mais misère, mais... Ouais bah heureusement que je gagne un niveau avec tout ce que je suis en train de découper en morceaux là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? J'ai reçu un ticket magique. Ah, ça valait le coup. J'espère que ça vaut le coup quand même. Par contre visiblement j'inflige un point de dégâts de plus. Vous voyez maintenant j'inflige 9 points de dégâts à ces zombies et 6 aux squelettes contre 8 et 5 tout à l'heure. Donc je pense que ma montée de niveau m'a permis de gagner un point d'attaque. Tiens, un glyphe. C'est pas un glyphe couteau ça aussi? Ah non, c'est un glyphe épée. Donc, visiblement les ennemis nous permettent aussi d'obtenir des glyphes. Ah, c'est plus puissant le glyphe épée, voyons ce que ça donne. Ah, pas mal. Ah oui, ça inflige beaucoup plus de dégâts en plus. Et c'est pas plus lent, donc je vais garder cette arme là, tiens. Enfin, ce glyphe en l'occurrence, mais. Mais non. La
La musique est très sympa en tout cas. C'est pas un thème que j'ai déjà entendu dans un Castlevania à ma connaissance, mais elle est plutôt sympa quand même. Ah bah un point de sauvegarde. Bah écoutez les amis, on est à 25 minutes, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode. Voilà, on a sauvegardé. Oui, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner. J'ai pas trop regardé, je me suis pas trop renseigné sur le jeu. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais après ce que j'ai compris, en tout cas, il y a plusieurs fins. Et pour avoir la meilleure fin, il va falloir tout simplement que je termine le jeu à 100%. Du coup, je sais pas si je vais vous le faire. Je pense que je vais vous le faire, mais pas forcément en vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse. Bah déjà, si le let's play va vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ce jeu. Si ce n'est pas le cas, bah, je peux toujours m'arrêter alors que c'est le début plutôt que d'attendre la fin. Je suis en train de faire n'importe quoi en plus. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez que je le fasse vraiment à 100% avec la bonne fin et tout. D'après ce que j'ai compris, la bonne fin permet tout simplement de débloquer la suite du jeu en fait. Parce que si j'ai bien compris, le jeu ne se termine pas de la même manière si on a la bonne fin ou pas. C'est-à-dire que si on termine avec la bonne fin, il y a plein de niveaux en plus qui se débloquent. Du coup, c'est vrai que je trouve ça que ça peut être relativement intéressant de vous montrer la totalité du jeu. Du coup, n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez ça intéressant ou non. Moi, en tout cas, je vais vous laisser là. Je fais un petit peu d'XP vu que malheureusement, il va falloir prendre en compte l'XP. Ah bah oui, c'est écrit là-haut, voilà. Dans 137 points d'expérience, j'aurai le niveau suivant. Du coup, je vous propose qu'on sauvegarde et qu'on se laisse là. J'espère que ce tout premier épisode de notre Let's Play sur Castlevania Order of Ecclesia vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et surtout d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous!